Amis en Jésus-Christ, frères et sœurs de partout, bonjour, bonsoir pour nous toutes, bon réveil, bonne semaine, bon lundi, bonne semaine d'activité bien sûr. Comment nous y est, frère, avec ce moyen? Si avec un peu de plaisir, comme chaque matin d'ailleurs, moi pénétrer dans la caille, moi pénétrer salon, moi pénétrer chambon, moi pénétrer machine, ou dans le travail là, moi là, ou l'hôpital là, moi là, ou dans la marché là, moi là. Quelle que soit l'activité que vous trouvez en ce moment, je suis là avec toi. Tout comme Jésus, notre Sauveur, Jésus, notre Protecteur, il est là. Moi-même, tout. Dans mon Jésus-Christ, moi accompagné pour me souhaiter au combat réussi dans mon Jésus. Pour me souhaiter au courage dans la lutte là. Une lutte qui pas facile, mais toute lutte n'a pas mené que nous connaissons Jésus avec nous, n'a pas arrivé quand même et n'a pas remporté la victoire. Retenant l'île, jusqu'à ce que Jésus dit mon palais, jusqu'à ce que Jésus retire dans l'île, en bas soleil chaud, dans sable chaud, rete là, jusqu'à ce que lui-même, lui prononcer dernier mot sur la vie. Et c'est pas pour ça raison, non? Apôtre Paul, encouragez-nous pour nous courir avec patience. Rester dans la course là avec patience. Course là qui est devant nous. Est-ce que le pas paraître contradictoire pour nous courir avec patience? Mais remarquez bien, Paul, le pas parler là de la vertu qui est capable de faire nous connaître. Pour nous tendre, non, mais de patience qui a poussé nous pour nous persévérer, pour nous qu'aimer ferme lorsque ces circonstances t'assemblent tout à fait défavorables. Eh bien, patience, ça, bien aimé, qui a coûté moins que tribulation, yo, ben nous, hein? Patience, ça, que problème, yo, trahi, yo, ben nous, pour nous supporter, hein? Et qui a produit dans nous-mêmes. Un sentiment d'espérance là. C'est ça qui motive nous pour nous tendre. Lui motive nous pour nous tendre. Ça nous pas ouais. Pour nous tendre, ça n'a pas lutté pour lui. Nous pour ouais. Pour nous tendre, ça n'a pas la prière pour lui. Ça n'a pas servi mon Dieu pour lui. Mais nous pour ouais. La vie éternelle, tout le monde a tendu. Tout le monde a tendu pour que un jour yo avec Jésus de Nazareth. Oh, la vie éternelle. C'est ça que bon Dieu pour maintenant. C'est ça nous avons besoin, oui, pour nous recevoir. Ça, bon Dieu, préparé pour nous. Course chrétienne, non. Frère, ce moi, bien-aimé tout partout. Course chrétienne, non. Il n'y a pas gagné la course là-dedans. Il n'y a pas connu ça qui est la course là. Il n'y a pas existant qu'un moyen pour nous présenter nous à la fin et puis pour nous réclamer, prier, sans que nous ne pas participer. Bon Dieu voulait nous participer. Et bien c'est ça qui fait un coup ça, qui se couche la foi. C'est seul monde qui a couru avec patience, qui a atteint la ligne d'arrivée. Seul monde qui a couru avec patience, qui a privé d'un port, qui a privé sous ligne. Qui tracé, qui c'est ligne d'arrivée. Nous devons reconnaître que coup cela est ardu, il est difficile, coup cela terrible, coup cela gagne de l'azur là-dedans, coup cela gagne pas qu'à dormir là-dedans, coup cela gagne persécution là-dedans, coup cela épouvante, il est épouvantable. Chemin yo étoile, yo juste. Mais pas peur. Pas jamais tenter d'abandonner. Mais continuer. Lorsque moment renoncement ça y est. Lorsque moment renoncement ça y est. Yo essaye d'abdominer nous. Fortifier nous. Avec promesse là. Que nous joignons dans Isaïe chapitre 40 verset 29 et 31. Qui dit. Il donne de la force. À celui qui est là. Et il augmente. L'énergie à celui qui n'a pas de vigueur.
Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne pas fatigueront et ne fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront point. C'est pour mon Dieu avec vous. Augmentez courage pendant que vous marchez, pendant la course là. C'est pour l'Éternel augmenter force. C'est pour augmenter capacité et permettre qu'on arrive au port désiré. Mais soyez ferme, soyez fort, même si l'ennemi fait rage. Même si l'ennemi fait rage, redoublez de courage. S'il redoublez d'effort, il y aurait des frères Smith Noël. Et je dis, c'est lundi 13 mars 2023. Vous pensez à toutes frères et sœurs, à tous les amis qui ont fêté leur nouveau printemps. Matin, nous souhaitons une joyeuse fête. Nous souhaitons un bon anniversaire. Que bon Dieu passe ouais. Que bon Dieu visite vous. Que bon Dieu jette sous vous les bénédictions les plus riches. Que bon Dieu pense avec vous. N'ayez pas peur. Ou sous contrôle. Ou dans mes bon Dieu. Bon courage. Condoléances à tous les amis qui en deuil. Tous les amis qui ont crié, qui ont la peine, qui ont tristesse quelconque, qui ont chagrin quelconque dans le cœur, qui ont ravagé. Que Papa mon Dieu, bon la paix, qu'elle passe avec vous. Vigile matinale matin intitulé Je suis avec toi pour te protéger. Jérémie chapitre 15, le verset 20. M'a fait au camper devant mon saillot, tant qu'il y a une muraille, fait un cuivre bien solide. Il y a goumé avec vous. Mais on pas café ou mais yo pas café ou rien. M'a camper là avec ou pour me protéger ou pour me délivrer ou. C'est moi même Seigneur qui dit ou ça. Parole mon Dieu. C'est pour mon Dieu rend nous fort matin comme une muraille. C'est pour ennemi pas gain pouvoir sur. C'est pour ennemi pas ca atteindre. L'Éternel a protégé ou. L'Éternel a guidé ou. L'a épargné ou et l'a sauvé. C'est pour le couvrir en manteau li. C'est pour une bonne sécurité que l'argent, l'or, diamant et personne sur la terre pas capable d'offrir. Papa mon Dieu qui est dans le ciel là, nous contents et nous réjouis pour nous en présence en ce moment. Nous adorons, nous avons action de grâce parce que c'est vous qui est mon Dieu qui a dominé dans les cieux et sur la terre. Merci pour la traversée de la nuit. Merci pour ce jour que vous avez une chance de saluer. Merci pour toute bénédiction qui nous bénéficie de vous, toute protection et sécurité. Merci parce que vous cachez nous sous l'ombre de tes ailes. Merci parce que vous enveloppez nous, famille nous, nous-mêmes, proches nous, parents nous, amis, voisins, voisines, peuple, assemblée, qui pour tes noms là, nous tous nous protéger, nous épanouir. Toute la gloire est à toi. Pardonne nos péchés, remplis-nous de toi, Seigneur. Fortifiez-nous, guéris-nous, libérez-nous et sauvez-nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'adressons cette prière. Amen. Leçon numéro 11, là. Frère, monsieur, moi, pas campé, et me content pour que moi, capable de présenter. Partie ici, là, qui titre, comptez sur Dieu, pas sur nos ressources. Est-ce que tu as aimé faire ça matin, hein? Pas oublier non hier. Moi te dire, mais bon Dieu en premier, mais bon Dieu avant toute bagaille. Et matin, je viens dire, non Jésus, comptez sur mon Dieu. Alléluia. Bénédiction pour monde qui compte sur mon Dieu. Bénédiction pour monde qui les yeux fixés sur mon Dieu. Bénédiction pour tout monde qui connaît yo pas rien sans mon Dieu. Ni yo pas faire rien sans mon Dieu. Bénédiction pour tout monde qui ont petite place dans cœur yo matin pour mon Dieu. Tout monde qui croit que sans mon Dieu, il n'est pas capable de réaliser rien. Il n'est pas compté sous belle caille, il n'est pas compté sous belle machine, il n'est pas compté sous pile l'argent qui a gagné la banque, pile l'argent qui a gagné dans le coin de la caille, dans le bifet, dans le coffre fort, mais il est compté sous mon Dieu. En par exemple, le roi David. Le roi David, tu dois faire preuve de discernement. Le roi David, tu dois connaître d'après expérience. Meilleurs amis, bon Jean-Zamini Jonathan, que lorsque le trouvait dans une relation d'alliance avec mon Dieu, peu importe, il disposait de trois graines de garçons, de trois graines de soldats,
ou bien peu importe, li ta dispose en pile sur là, mais ça le doit connait, c'est que bon Dieu kabali la victoire. Frère Chom bien-aimé, victoire c'est dans Jésus lié, oui. Même l'autre a mis pile le monde pour sécuriser, même l'autre a dit ou bien gros âme, même a dit, c'est seulement Jésus qui kabali sécurité. Ou est victoire ou a cherché, pas maintenant t'es tout, même l'autre plein famille à l'étranger, ou plein famille dans tout le monde là. Yo ka bon victoire ça non, même là yo ta gagne un bon monde là qui relé yo pa yo combien yo pa ka bon victoire non, même content pour me dire Jésus-Christ de Nazareth compte bay victoire. Dans 1 Samuel chapitre 14 verset 1 à 23, la Bible rapporte comment Jonathan petit Saül avec serviteur te pour tes amis yo joine moyen yo remporter la victoire sur les Philistins. Avec l'aide de Dieu, oui. Avec pouvoir, mon Dieu, oui. Avec participation de la puissance de Dieu, oui. Pas oublier, je toujours dire, l'on bon Dieu avec ou fort, ou puissant, l'on bon Dieu avec ou. C'est avec victoire qui va marcher. Mais malgré l'expérience, malgré l'autre expérience, encore dans l'histoire, peuple, bon Dieu, une fois que roi David, il retrouve lui dans un moment difficile, il quitte le tenté. Comme quoi, c'est propre force qui a mis le dehors. C'est propre moyen qui a mis le dehors. Le nous lit dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 14. Nous va répondre à une question pour nous dire pour qui ça? David a décidé de dénombrer Israël. Pour qui ça? David a décidé de faire compte à Israël. Hein? Faire compte à Israël. Parmi le peuple Israël là. Pour qui ça? Il était obligé de compter soldats. Pour qu'il s'agisse de Joab, il devait prendre tête David. De façon, pour qu'il fasse David renoncer à la décision. Pour qu'il dise David, non, pas dénombrer le peuple. Remarquez, frères et sœurs bien-aimés, que l'idée pour compter soldats, c'est de Satan l'idée de sa vie. Il y a des choses qui montent dans la tête, nous, des choses qui montent dans l'esprit, nous, qui ne sont pas des bons dieux. Parce que Satan, quand nous mettons des idées dans la tête, nous, tout, Satan qu'on fait quoi on sait des bagailles comme quoi c'est yo cap bon. Satan t'a tenté David pour que David te croie dans propre force li, au lieu qu'elle t'ait essayé de dépendre de la providence de Dieu. Au lieu qu'elle te croie, c'est bon Dieu qui t'a défendu, il poussait David à le croire dans tête li. Joab comme chef armée Israël là, il t'a essayé de tenter pour le convaincre David, pour l'exiger David. Pour ne pas poursuivre, pour ne pas continuer le travail à faire. Mais David exigeait pour que le recensement le poursuive, le continue. Et bien, action ça y est, te précipiter la nation vers une catastrophe. Même Jean-Texte là, lui révèle. Personne, frère et soeur bien-aimé, m'a demandé pour écrire parole ça dans l'esprit. Écris-le quelque part. Pas de personne qui fait confiance à mon Dieu en vain. Personne pas croire dans bon Dieu en vain. De pourquoi dans bon Dieu a pour victoire quand même. De pourquoi dans bon Dieu a besoin de bagaille quand même. Personne moun pas fait bon Dieu confiance en vain. Chaque fois, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons livrer nous dans la bataille pour le Seigneur, c'est pour nous préparer nous. Et préparer nous très bien. Parce que y a une citation qui est attribuée à militaire, qui est attribuée à homme politique, aux Britanniques. Oliver, 1599 à 1658, qui t'a dit à l'armée, avant de livrer la bataille, mettez confiance dans mon Dieu. Il dit, petit moyen, mettez confiance dans mon Dieu. Et puis, gardez pour nous sèches. Gardez pour nous sèches, là, t'as qu'à dit que la palais de canon, pour à canon. En d'autres termes, faites tout ça que nous sommes capables de réussir. Mais à la fin, bon grain de bagaille nous reconnaît. Seulement mon Dieu qui a aidé nous à remporter la victoire. Seulement mon Dieu qui a donné nous la victoire. Frère, nous sommes bien aimés. Nous avons fait tout ça que nous sommes capables. Nous avons fait tout effort que nous sommes capables. Nous avons fait tout sacrifice que nous sommes capables. Nous avons fait toute intervention que nous sommes capables. Mais je dis une parole. Victoire là, c'est l'Éternel des armées qui a bâillé. Dans le contexte immédiat que nous parlons aujourd'hui, là, il est très tentant, oui. Pour nous fier nous à pouvoir gouvernement
ou bien pour nous faire confiance à compte bancaire non à comme nous gagner la banque. Et pourtant dans moment chaque crise qui mentionné dans la Bible, lorsque peuple a fait confiance à bon Dieu, d'accord, bon Dieu sous bon parler, lui honorer confiance yo et lui répond à besoin yo. M'a dit une parole, lorsque confiance dans bon Dieu récompense confiance. Lorsque la foi dans bon Dieu récompense la foi. Frères et sœurs bien-aimés, mettez-nous à profit, ou bien mettez à profit tant que nous gagnons aujourd'hui pour nous capables de mettre nous en règle avec mon Dieu. Pas la petite temps que mon Dieu bon aujourd'hui pour mettre en règle avec lui, pour mettre en conformité avec lui, pour nous sentir tête nous en bas dette, en bas gros dette qui pèse nous. Et puis pour nous venir généreux avec mon Dieu et avec ça que nous recevons. Même genre, il y a un vieux chant gospel dit, m'a cité, si jamais nous avons eu besoin du Seigneur par le passé, nous avons clairement besoin de lui maintenant. Si nous avons besoin de mon Dieu autrefois, et bien je dis, nous avons besoin de mon Dieu plus que jamais. Que mon Dieu rentre dans la vie, que mon Dieu habite la vie, qu'il transforme la vie, qu'il change la vie, qu'il sauve la vie. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Il y aurait les frères Smith-Noël. À demain, si mon Dieu m'a donné la vie, c'est pas pour une longue étude.